néophyte ou qui débute dans le domaine de la chasse au petit gibier, une technique d'éviscération super simple. Pour faire ça, il faut que la perdrix soit chaude, il faut qu'elle vienne juste d'être récoltée. Si vous attendez que la perdrix soit refroidie, ça va être impossible de pratiquer cette technique-là. Donc, c'est assez facile. Prenez la perdrix, on la dépose au sol, on prend nos deux pieds de cette façon-là, on vient appuyer sur les ailes, comme ça ici. Une fois qu'on est appuyé, qu'on a nos pieds solidement appuyés sur les ailes, tout ce qu'on a à faire, c'est de tirer sur les deux pattes doucement. Et là, allez voir, la poitrine va se dégager d'un seul coup. Et voilà. Donc là, de cette façon-là, on a 90% du travail de fait. Donc la perdrix, la poitrine est dénudée, la chair va refroidir. Comme on peut voir, la qualité du tireur dans ce cas-ci, la poitrine est intacte, pas de plomb. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il nous reste seulement qu'à retirer les ailes. En fait, une aile, on va en garder une pour l'identification. Puis, on met ça dans le sac.